Bonjour les reborn, bienvenue. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous remercie, frères et sœurs, de m'avoir apporté beaucoup d'amour, beaucoup de soutien en ce jour de mon 30e anniversaire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous avez été les seules personnes à me souhaiter joyeux anniversaire et en plus m'avoir donné beaucoup de conseils. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Dans la vie réelle, les sorciers, les sorcières qui m'attaquent, qui sont au courant de ça, n'ont rien fait, même un jour d'anniversaire, rien. Mais aujourd'hui, je vois que mes vraies familles, mes vrais potes, c'est vous. Et oui, c'est vous. Que Dieu vous le rende au centuple. Je vous aime tous. Aujourd'hui, nous continuons ce que nous avons commencé le mois dernier. Je vous ai raconté cette affaire qui était de faire le tour des réseaux sociaux où on nous dit qu'il y a un bruteur qui s'est transformé en serpent. Aujourd'hui, je vais vous montrer la suite de cette vidéo. Vous voyez, c'est la suite. Comme vous pouvez le voir, l'écran ici, ce n'est pas de la blague. On voit des gens qui sont en train de se bagarrer avec un sac. Mais le problème, ce n'est pas le sac, c'est ce qui s'y trouve. Selon vous, qu'est-ce qui s'y trouve? Vous allez voir ce qui se trouve tout à l'heure. Mais regardez les gens. Apparemment, ça se passerait au Ghana. On dit que cette personne s'est transformée en serpent, juste comme ça. Et les gens sont venus voir. Les gens sont venus voir. Et ils cherchent à savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour faire sortir le serpent du sac. Vous voyez, non? Donc, ils sont détournés autour du sac. Ils sont détournés autour du sac pour voir comment ils vont gérer ça. Ils ont appelé les gros bras du quartier. Ils disent, le loup, là, venez ici. Venez gérer le mouvement. C'est vous, les ducats, non? Voisin, donc, c'est un sommet, c'est pas. Comment? Venez gérer le mouvement. Ils envoient les gars, ils arrivent. Et avec un bois et autres, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour pouvoir voir clair dans le sac. Nous allons voir la vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière, voici la vidéo en question. Il y a du monde, il y a des gens autour et c'est étrange. Voyez, le monsieur approche son bois, il essaie de faire tout ce qu'il peut faire. Vont-ils arriver à faire sortir les serpents du sac? On nous dit que ça se passe à Accra, au Ghana. Vous voyez les gens qui sont là, ils passent à tout drôle, ils filment et ils filment. Je pense que c'est possible que vous verrez encore, que vous voyez encore d'autres vidéos de ce type en question. C'est bon, hein? Restez connectés, abonnez-vous. Ils sont là, ils sont curieux. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? Ils veulent vraiment voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Un homme qui s'est transformé en serpent, sérieux? Vous voyez, non, ils sont en train d'essayer d'enlever le serpent du sac. Et regardez. Ils essaient tout et finalement, regardez ce qu'on voit. On voit carrément que le serpent est sorti du sac. Vous le voyez, non? Celui qui est ici, là. Vous voyez, regardez bien. Vous voyez ça? Ouais, les gens sont curieux, ils ne savent pas ce que c'est, mais regardez. Vous voyez ça? C'est vraiment étrange. C'est le mec qui parle à langue de Ghanéen. Et ça va aussi à chanter du genre. Et regardez, elle nous explique ce qui s'est passé, comment c'est passé. Les gens approchent avec leur téléphone pour filmer ça et montrer aux gens parce que ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais vu un truc pareil.
Vous voyez ça? Il s'approche avec le téléphone pour essayer de filmer. Ah, vraiment, la vie. Vraiment, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais nous devons continuer. Comme vous pouvez le voir, voici ce qui s'est passé. Vous voyez ça? C'est vraiment hors du commun. Les gens approchent pour filmer ça. Vous allez voir beaucoup de vidéos de ces gens apparaître sur les réseaux sociaux. Bien, voici la vidéo que j'ai vue. Vraiment, en Afrique, il y a beaucoup de choses. Maintenant, mes frères et sœurs, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vécu une telle chose? Genre, un être humain qui s'est transformé en un animal. Parce que j'ai entendu aussi des gens. J'ai entendu des histoires de gens. Un homme allait à la chasse parce que lui, c'est un chasseur. Il chasse les gazelles dans la brousse. Il a vu là-bas, il a vu une gazelle. Il s'est dit que oh, c'est une gazelle. C'est comme d'habitude. Je suis un grand chasseur. Il a fini à la gazelle. Il prend son fusil. Il tire sur la gazelle. À sa grande surprise, c'est le fesse de quelqu'un. Il a tiré sur le fesse de quelqu'un. Un homme qui est transformé en gazelle. Bon, ils n'ont pas dit qu'il a tiré du fesse de quelqu'un, c'est moi qui ai ajouté. Mais il a tiré sur la gazelle, mais c'était un homme. C'est-à-dire, cette gazelle était soumise genre à un homme, quoi. C'est-à-dire, la gazelle est tombée. Et puis, lui, au fur et à mesure qu'il s'approche, au lieu de voir la gazelle, c'est un être humain qui voit se transformer. Et la gazelle s'est transformée en un être humain. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle la connaissance interdite. Les histoires de se transformer en serpent. Transformer en oiseau. J'ai vécu ça, hein? J'ai vécu ça de mes propres yeux. Nous étions dans une cour et puis un corbeau y est arrivé. Quand le corbeau est arrivé, le corbeau était dans le salon des gens. Du salon où le corbeau entrait là, il y avait une jeune femme là-bas. On veut tuer le corbeau. Elle dit non, ne tuez pas le corbeau, c'est ma soeur. Elle dit non, ne tuez pas le corbeau, c'est ma soeur. On dit, comment ça, c'est ta soeur? C'est quelque chose de sorcellerie, ça. Elle a commencé à dire qu'elle a une soeur jumelle. Sa soeur jumelle, c'est au village. Sa soeur jumelle veut qu'elle vienne là-bas, qu'elle vienne la voir, mais elle, comme elle ne vient pas, sa soeur jumelle a décidé de se transformer en corbeau pour venir. Bon, au final, il ne sait pas ce qui s'est passé avec le corbeau, mais je pense que on a dû libérer le corbeau, au plus c'est une histoire de dire que c'est sa soeur qu'elle a. Elle ne veut pas qu'on tue sa soeur. Sa soeur est totalement en corbeau venir. Et la sorcellerie des Noirs, que pour faire du mal. Ils ne sont pas prêts pour faire le bien. Quand je sors, ils savent où je vais. Ils savent tout ce que je vais faire. Mais ils ont oublié aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Parce que s'ils m'offrent des cadeaux et qu'ils me font du bien, ça va me faire plaisir au cœur. Comme eux ne veulent pas que j'aie la paix du cœur. Donc ils ont oublié. Aujourd'hui, il ne faut plus de sorcellerie, c'est ça. Ah, voici des maudits du pays. Que Dieu vous punisse. Vous voyez l'Afrique? Vous voyez ce qui se passe? Pendant que les Blancs sont debout sur le pont, eux se sont lancés par ici. Regardez-moi leur visage. Ok, les frères et sœurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Si vous n'êtes pas abonné, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et préparez-vous pour une autre vidéo. Je vais vous montrer la réaction d'une personne qui nous parle de la sorcellerie, c'est pas au Cameroun. Soyez prêts.